Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence, et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 26e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Pays-Bas. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre contre Moscovie, en guerre contre la Venise. Et on avait également énormément de rébellions. Et il va falloir faire face à tout ça, faire en sorte que notre stabilité passe à 2 voire à 3. De stopper le maximum de rébellions possibles. Là, on va utiliser certainement notre possibilité de faire des rues de châtiment, tout simplement pour baisser les risques de révolte et stopper toutes ces révoltes-là qui nous causent énormément de problèmes, bien sûr. On a quand même réussi à avoir quelques effectifs. Je pense qu'on va quand même devoir prendre des emprunts pour pouvoir avoir des mercenaires et faire que ce soit les mercenaires qui stoppent au maximum, en fait, tout simplement, les rébellions. Nous, on essaiera de se tourner du côté de la Suisse pour essayer de récupérer. Si on peut avoir vassalisé ces territoires-là ou prendre toute la Suisse, ça pourrait être une bonne chose pour nous. Donc, on va essayer d'en profiter. Donc, on va prendre un emprunt, un deuxième. Ça va nous coûter cher, bien sûr, mais on va avoir besoin de tout ça. Donc déjà, on va commencer par prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un demi-canon. Deux cavaleries. Et c'est parti. Là, il va nous falloir jouer très serré, je pense. Alors, pourquoi pas lever cette armée-là? On va plutôt l'emmener, voyez, du côté de Berne pour commencer à siéger des territoires. Nous, à prendre, on fera peut-être une paix séparée, hein, avec Venise. Mais c'est pour obtenir plus de choses de la part de la Suisse, tout simplement. Siège de Rio de Oro se termine, donc ceux-là, on va pouvoir les baisser. On n'a pas besoin de ces mercenaires là qui sont bien trop loin et qui ne nous aident en rien. Ici, ce sont tous des mercenaires, je crois, donc on va leur demander de venir de ce côté là. Du côté de Zurich. Donc là, normalement, on n'a que des mercenaires, ce qui est plutôt une bonne chose. De ce côté là, ce sont quoi? Des militaires normaux, je crois. C'est ça. Est-ce qu'on peut relever d'autres mercenaires? Oui. Donc autant en profiter. 1, 2, 3. Et un demi-canon. Un de cavalerie en plus. Et là, on va aller écraser ces armées-là. Ne pas laisser, en fait, les fanatiques aller plus loin. C'est surtout ça, en fait, mon objectif. Parce que plus vite on les mettra au tapis, mieux ce sera pour nous. Donc là, j'ai bien que des mercenaires. Je ne veux que des mercenaires de toute façon. Ceux-ci ne sont pas des mercenaires. C'est bon, ces armées là on va pouvoir les utiliser toutes les quatre pour les mettre ensemble. Voilà, 14 régiments, on va mettre un chef militaire, cet homme là allez, 200 colons arrivent en plus. On a gagné une colonie ou... On a pris une colonie à Ouida. Pourquoi pas.
Malheureusement, on ne pourra pas protéger cette colonie. Ça va nous coûter cher. Avoir plusieurs colonies coûte assez cher, généralement. Allez, est-ce qu'on va réussir à vaincre? Révolte en Picardie, soulèvement en Frise. Ouais, ça nous arrange pas du tout. Diffuser pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc, bataille de Rethel gagnée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Heureusement, chaque mois, les mercenaires augmentent en taille. Donc, on va pouvoir gérer nos rébellions, tout simplement. Autre chose que je voulais voir, combien me coûte la stabilité, voilà, passé niveau 2, ça va nous augmenter notre or, donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, encore un petit peu, ça 138, on va voir combien ça monte au changement de mois. Voilà. On a perdu Weida, mais ça c'est pas gênant en fait. Au contraire, je préfère avoir qu'une seule colonie et que cette colonie se porte bien, que trop de colonies et qu'on puisse rien faire avec, tout simplement. Allez, on va essayer de mettre à mal cette armée-là. Leur morale baisse fortement, ce qui n'est pas pour me déplaire. De ce côté-là, ouais, on va augmenter notre doctrine d'exploration pour avoir les droits de douane mondiaux qui nous rapporteront un petit peu plus d'or. Donc ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, on détruit les armées adverses. Céréales sur les côtes d'or. Donc pourquoi pas. Moscou nous demande une paix blanche. Est-ce qu'ils sont en train de perdre là de ce côté-là? On va refuser pour l'instant, on va rester du côté de nos alliés. Et on verra, on est en train de... Si on peut nous prendre des parties de la Suisse, on le fera. Et là, j'espère que les armées vont remonter assez vite pour qu'on puisse tout simplement attaquer les armées adverses. Ah, en plus, j'ai Clève qui m'apporte son soutien. Allez, 9 régiments. On va attaquer en Picardie très prochainement. Parce qu'en fait, plus vous évitez que des rebelles. D'accord, j'ai des Fraticelli qui sont révoltés où? Je ne sais pas. Bon, pas très grave. C'est en fait plus vous faites en sorte. Ah oh, purée, ça c'est pas bon. Ça, trop de soulèvements en Picardie. Il y a un peu trop d'hommes. Enfin, pour revenir à notre guerre, plus vous faites en sorte de retenir les armées adverses, moins en fait, ben, vous détruisez les rebelles, moins il y aura de révolte en fait. Donc, oh purée, 42 régiments, ça fait beaucoup quand même. On va aller s'occuper de la Frise. Et donc en fait, ben justement, le fait de détruire ces armées-là vous permet de tenir. Alors, non, on va refuser. Nos alliés sont en train de gagner, donc pourquoi? Non, ils sont en train de revenir sur la guerre, donc pourquoi accepter de perdre ça? Siège de Zurich gagné, ça c'est plutôt pas mal. On va ramener nos armées par ici. Et je pense qu'on va essayer avec tous nos régiments de s'en prendre à la Suisse. Alors voyons voir comment ils vont mettre leur régiment. Parce que là, ils sont en train de perdre des hommes. Nous, ça fait 22 hommes. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu nos régiments? Bien sûr que oui.
Bon, il me faut un emprunt supplémentaire. Voir un deuxième. C'est pas de plaisir que je prends des régiments, mais il m'en faut de toute façon. Et il me faut des armées, donc autant avoir le plus d'armées possible. 1, 2. 1, 2. Un canon ici. Voilà. Donc on va essayer de réunir tout ça. Et après on ira peut-être prendre ces provinces-là, là, qui est occupée par la Savoie. Est-ce que d'ailleurs je peux demander, par exemple, non je peux pas demander à la Suisse. Le Nivernais, d'accord, on s'en occupera après. De prendre Zurich, je pourrais prendre Zurich. Même si c'est pas ce qui m'arrange pour l'instant. Et ça c'est quoi? Nationaliste lorrain. Bon, on va s'en occuper des nationalistes lorrains. Donc déjà, on a éliminé la Suisse. Et j'espère bien qu'on puisse peut-être mettre à mal. Allez, de récupérer les dernières unités qu'il me faut. Et on va attaquer directement en Picardie. Alors attendez, oui, 100 de population, on perd 33 de prestige. Bon, on perd le prestige, c'est pas très grave au point où j'en suis. Le prestige n'est pas le plus important. Alors, ça, pas d'accord du tout. Que tu viennes contrer mes armées. J'aimerais récupérer les unités qui sont ici. Vers l'administration, j'en ai besoin. Et après, on va s'en prendre à ces autres nationalistes. De la cavalerie et des canons, d'accord. Bon. Puisque c'est comme ça, on va s'attaquer directement à eux. Voir si on arrive à prendre la Picardie. Et ça a l'air d'être pas trop mal pour l'instant. Allez, 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 on a le choc. Si on arrive à les détruire, ça sera une bonne nouvelle. On pourra pouvoir mettre ses armées ici. Voilà, on a réussi à détruire la Picardie. Donc on va laisser sélectionner l'armée. On va prendre les mercenaires qu'on va ramener ici. Ceux-ci, ce sont des armées normales ou pas? Ce sont des armées normales, il semblerait. Donc on a converti Cambrai, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant c'est au tour de Rethel. Heureusement la Savoie vient nous aider à détruire nos rebelles. Moscou qui nous demande encore, ben on va refuser pour l'instant. Nos alliés sont en train de... on est toujours au score de guerre aux alentours, pardon, de zéro. Donc ça serait dommage de se priver de ce genre de choses. Allez, on va emmener nos armées de l'autre côté là-bas. On a fait une brèche dans le mur, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bataille de Bourgogne gagnée en plus. Allez, viens ici. Qu'on s'en prenne ensuite. Allez. On va rien laisser, on va détruire tout ce qui peut être détruit
de nos alliés, de ces rebelles. J'en ai encore des... Sélectionner l'armée. Ah d'accord, je leur ai envoyé mon armée directement dessus. Je suis un peu rappelé le diplomate. Je suis un peu idiot quand même comme homme. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, on se retrouve. Alors, pas en temps réel, mais en post-production. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème au niveau de mon enregistrement sonore. Du fait de cette interruption, j'avais coupé mon micro et j'ai oublié de le remettre, donc forcément derrière ça a été un peu plus difficile. Donc là on venait de battre les rebelles, on venait malheureusement j'avais mis mon armée professionnelle, mon armée de métier dans le lot, donc j'avais perdu beaucoup de choses. J'avais perdu beaucoup de soldats, au lieu de mettre mes mercenaires, ce qui aurait été bien plus efficace bien sûr. Là, je refuse la paix avec Moscovie, puisqu'on est qu'à moins 4% de score de guerre, donc on n'est pas non plus au plus mal, on va dire. Mais bon, donc j'essaye de tenir le plus longtemps possible avec nos alliés du Danemark pour faire en sorte qu'ils nous apprécient. Je ne vais pas attaquer tout de suite les rebelles sur la province de Hainaut, le temps qu'on prenne au moins la province de Picardie aux rebelles pour essayer de calmer tout ça. En tout cas, pour l'instant, bah, on voit qu'il y a quand même pas mal d'armées encore. Je regroupe mes armées personnelles pour laisser les mercenaires tout seuls, tout simplement, pour éviter qu'il y ait quelques petits soucis. Et puis c'est surtout que, au moins, je suis sûr que mon armée peut se remettre tranquillement en état pour que ça soit un peu mieux. Bon, malheureusement, on a perdu un siège qui était tenu en fait par nos vassaux au départ. Et ils avaient réussi à prendre une province. Mais nous, après, bah, on avait dû lâcher. Comme on n'était pas allé se battre, bah, on n'a pas pu défendre cette province-là. On voit que les armées de Savoie vont quand même essayer de s'en prendre à ces rebelles-là. Ce qui est plutôt sympathique. Au moins, ça évite, nous, d'user nos armées. En plus, on est bientôt sur le point de prendre la Picardie. Encore une offre de paix de Moscovie que je vais refuser également. On est à 0% de score de guerre. Bon, c'est pas trop mal. Il y a pire. Surtout que nous, bah, on essaye de récupérer du manpower. Pour l'instant, le Danemark, voilà, a accepté une paix blanche. Donc, bon, nous, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Mais au moins, on s'est assuré que nos alliés nous apprécient. On a repris le siège de Picardie, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir désactiver tous ces rebelles, mercenaires. Donc déjà, notre économie va pouvoir remonter un petit peu plus. On va pouvoir envisager de payer nos emprunts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez que nos emprunts, 6,51, c'est quand même beaucoup de frais. Heureusement qu'on a une réduction d'inflation qui est constante. Sinon, ça nous coûtera encore plus cher. On passe en stabilité 3, bien sûr, pour baisser les risques de révolte et augmenter nos revenus. Pour l'instant, on a beaucoup de rebelles, notamment des nationalistes lorrains qui vont être assez pénibles. Donc, vous voyez, 55% de possibilités qui se soulèvent. On a aussi quelques problèmes avec la Côte d'Or, où on a la férocité des autochtones fait qu'on est souvent attaqué. Donc il faut arriver à maintenir tout ça, à ne pas perdre trop d'armées, à remonter en économie, remonter en armée. Et bien sûr, bah, ça va être assez compliqué. Pendant ce temps-là, bah, on est en train de perdre la guerre contre Venise. Et autant dire que bon, bah, nous, comme on ne participe pas du tout, la Hongrie va prendre une sévère déculottée. Et pourtant, ce sont nos alliés. Donc là, on n'a pas forcément misé sur le meilleur des chevals, on va dire, pour l'instant. On avait le choix entre la Hongrie et la Pologne. Malheureusement, la Pologne s'en est mieux sortie. Et la Hongrie est en train de sombrer peu à peu. Donc, il va falloir un moment arriver à s'en sortir. Mais bon, on verra bien tout ça. On a essayé de vassaliser la Suisse. Malheureusement, vous voyez qu'elle a trop de provinces, donc on ne peut toujours pas. On va essayer quand même d'en faire des alliés qui pourraient nous aider pour la suite de l'aventure. Surtout qu'on a un mariage royal avec eux. Donc, autant en profiter. Où est-ce qu'on en est actuellement? Bah, toujours les armées de Savoie qui restent chez nous parce qu'elles peuvent pas faire grand chose d'autre, hein, elles ont personne à attaquer. Bon, on va patienter tranquillement. Il nous reste plus trop d'hommes à remonter avant que nos effectifs, à remettre dans nos rangs avant que nos effectifs augmentent. Donc ça devrait aller, je pense, avec le temps. On va du côté de Rethel pour s'assurer qu'il y ait bien. Tout simplement, on va baisser les risques de révolte, mais c'est surtout faire en sorte nos missionnaires fassent leur travail. On va essayer de passer les 50% d'unités religieuses.
Heureusement, l'expansion du protestantisme se fait, donc on n'aura pas besoin de convertir la province de Liège qui va devenir protestante, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça a baissé en plus les risques de révolte, donc ça, très bon pour nous, bien sûr. Une légitimité qui est toujours assez basse, hein, et ce qui augmente quand même les risques de révolte, un point et quelques. Donc il va falloir faire attention. On a quand même une révolte sur Etel, heureusement, on va pouvoir gérer un petit peu tout ça. Là, je vais essayer de ne pas perdre de stabilité, puisque ça coûte cher quand même, donc plutôt perdre d'autres points, même si c'est des points un peu de partout. L'Autriche déclare la guerre à la Suisse pour une conquête. Et bah voilà, la Hongrie a accepté la paix de Venise. Venise qui a récupéré pas mal de territoires. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, que l'Autriche déclare la guerre à la Suisse. Parce que si l'Autriche récupère des territoires de la Suisse, ça veut dire que nous, on va pouvoir annexer la Suisse, réattaquer l'Autriche derrière, donner ses territoires ensuite à la Suisse. Donc ça peut être une très très bonne nouvelle. Donc pourquoi pas. Je voyais également qu'il y avait des patriotes bretons qui déclaraient la guerre à l'Angleterre, vous voyez des rebelles, et si ces patriotes bretons venaient à remporter leur soulèvement, eh ben ça voudrait dire que notre vassal récupérait ses territoires sans qu'on ait à faire la guerre à l'Angleterre, ce qui serait quand même une plutôt bonne chose parce que pour l'instant bah, on n'est pas au mieux, on a des emprunts, on a très peu d'armées, on est passé d'ailleurs deuxième au rang des nations. Derrière l'Empire ottoman, donc voilà, on est quand même entouré de l'Autriche qui est quand même pas mal puissante là, qui a réussi à pas mal augmenter. On voit d'ailleurs qu'il y a 42% pour les réformes impériales, donc faut faire attention. On voit aussi qu'il y a pas mal d'armées françaises qui se massent le long de la frontière bretonne, donc il va falloir faire attention à ça. Hein. Ils ont quand même 51 régiments. Qui sont pas loin. L'annexion de Clèves aussi qui augmente. Je n'ai pas accepté, pardon, le mariage royal parce que tout simplement on allait annexer Clèves sous peu et c'était dommage de perdre la légitimité pour ça. Donc autant s'en passer. Je regarde un petit peu mes emprunts. On a 187 ducats à payer. Nos talents diplomatiques qui vont augmenter pour une période donnée. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va. Un petit peu nous permettre d'avancer. Vous voyez la pauvre Suisse qui est attaquée par la Pologne, par le Milanais, par l'Autriche. Ça fait beaucoup pour un seul petit État qui va ben, prendre ben, beaucoup sur lui. Pendant ce temps-là, ben, nous, deux révoltes. Hein, une à Charolais et l'autre, c'est à Hainaut, je crois. Donc pendant ce temps-là, nous, on s'assure toujours que notre missionnaire fasse son travail à Rethel. Toujours bah, des révoltes indigènes, hein, ça changera pas grand-chose malheureusement, on peut pas faire beaucoup plus que ça. Voilà, on a réussi à avoir une première, on va essayer de faire la deuxième pour vaincre ces rebelles. De toute façon, plus on les vainc, mieux c'est pour nous. C'est une très bonne. On a vu d'ailleurs qu'il y avait 21 régiments anglais qui attaquaient les rebelles bretons, ce qui n'est pas très bon pour nous. Hein. Malheureusement, ça veut dire que ces rebelles vont être écrasés et que nos vassaux ne pourront pas gagner tout simplement leur indépendance ou gagner plus de territoire. Il va falloir qu'on déclare la guerre. Enfin, on a réussi la conversion de Rethel. On va passer à Gueldre maintenant pour justement bah, continuer d'uniformiser notre pays. Hein, De toute façon, plus la religion est importante, votre religion d'État est importante dans le pays, mieux c'est pour. Ça évite les révoltes, vous gagnez plus d'or, c'est vraiment un gain non négligeable. Donc, vraiment très important pour nous. L'annexion de Gueldre qui avance tranquillement, et pour l'instant, bah, nous, on va essayer de repayer nos emprunts petit à petit. On voit que les risques de révolte bah, sont quand même assez hauts, ça fait baisser notre légitimité, on est à plus 0,65 par an, ce qui avance très doucement. Hein. Et en plus, à l'intégration de Clèves, on va perdre 10, donc ça va coûter quand même assez cher. On va essayer aussi de monter plutôt dans la doctrine diplomatique qui nous permettra d'avoir plus de relations diplomatiques, mais également de monter notre tolérance aux hérétiques, donc on pourra convertir plus facilement les différentes provinces. Donc là, on a plutôt de bonnes choses en cours. Voilà, l'intégration de Clèves qui va arriver au mois prochain. Et nous, on va pouvoir augmenter le nombre de nos armées.
Ça aussi, voilà, l'achat de quelques tertiaux en plus pour dire d'avoir une armée un peu plus imposante. Voilà, intégration faite, on a gagné du prestige, mais on a perdu 10 de légitimité. D'ailleurs, ils avaient des mercenaires qu'on va s'empresser de détruire. Comme ça nous coûte pas trop cher. Notre colonie de la Côte d'Or, d'ailleurs, qui avance peu à peu, elle est à 882 sur 1000 nécessaires pour devenir une colonie. Donc là aussi, on avance plutôt pas mal, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous permet d'avancer dans le bon sens. La papauté qui a rejoint la Suisse, mais malheureusement, qui ira pas très très loin et qui va subir de gros dégâts. Allez, je pense qu'on va même regrouper nos armées là, parce que les tertiaux, c'est pas une très bonne idée. On va baisser un petit peu le risque de révolte. Non, pas du tout. Ah, je pensais que je l'avais fait. Je ne l'ai pas fait, mais enfin bon, c'est pas très très grave. On a le Nivernais qui se révolte, donc là encore les nationalistes lorrains qui font des leurs. Donc on va en profiter. On regarde un petit peu les risques de révolte. Pour l'instant, on ne peut pas les amadouer. Mais on voit un petit peu toutes les provinces. Vous voyez le Nivernais 13%, la Franche-Comté 13% aussi. C'est très très haut, hein, en risque de révolte. Il faut baisser tout ça pour éviter justement d'avoir des révoltes en tout genre. Mais par contre, vous remarquez que petit à petit, les armées de révoltés tendent à diminuer, ce qui est un peu plus acceptable pour nous. On perd moins de soldats, on perd moins d'armées. Et donc, ben, ce sont des gains, autant en effectif qu'en or. Donc c'est loin d'être négligeable. La colonie passe à 909, donc on aura peut-être y arriver enfin à faire en sorte que tout se passe bien. On gagne une revendication sur l'Auvergne, donc on aura au moins une revendication. On va pouvoir attaquer la France si nécessaire. Pour l'instant, ben, la France qui a pas mal d'armées encore, il va falloir arriver à monter nos effectifs, nous. On gagne une insulte diplomatique contre Mayence. Donc Mayence qui se situe juste au-dessus du Palatinat. Voilà, c'est cette petite province-là qui nous ont insultés. Donc c'est parti pour pouvoir les attaquer si nécessaire. La Suisse qui perd des provinces petit à petit. Allez, une nouvelle révolte encore qu'on va pouvoir écraser dans le sang. Voilà, on a réussi à avoir notre colonie en Côte d'Or, donc maintenant on va aller du côté du Suriname, puisqu'on avait rappelé dans les commentaires que Guyana était hollandaise, donc on va essayer de recréer cette province-là. On aura peut-être d'ailleurs notre première colonie, hein, nos premiers vassaux coloniaux, avec des vice-rois, si on arrive à mettre plusieurs territoires ensemble. Je crois qu'il en faut au moins 3 pour créer une colonie. Donc pourquoi pas réunir un petit peu tout ça, peut-être prendre Cayenne, éviter que les Français l'aient, on verra ça au fur et à mesure. Alors, la bataille de Flandre qui va bientôt se terminer. Normalement, on devrait venir à bout, voilà, très facilement de ces rebelles. C'est parti pour retourner en Nivernais. La Suisse qui a accepté la paix autrichienne, mais apparemment ils n'ont pas perdu grand-chose, ils n'ont pas perdu de territoire, donc on ne pourra toujours pas les vassaliser. Bon, ils ont dû perdre de l'or, j'ai pas regardé exactement le traité de paix, mais bon. On regarde les idées reçues, on va plutôt prendre des vice-rois pour avoir des doigts de douane supplémentaires, donc ça sera plutôt sympathique si on vient avoir des vassaux et des colonies. Donc là, on aura au moins 20% de droits de douane, ce qui sera non négligeable, bien sûr, pour la suite de l'aventure, puisque ben, ça nous rapportera un peu plus d'or, tout simplement. Donc là, plutôt pas mal, on va ramener des territoires. D'ailleurs, la Nouvelle-Grenade, qui est une colonie castillane, Rio de Plata est portugaise, le portugais, le Brésil portugais. Donc là déjà aussi ce sont des colonies portugaises de ce côté-là. Ça va être pas mal. On va pouvoir commencer à envisager encore on a 11 emprunts, ça commence à faire beaucoup. Mais on va diminuer peu à peu ce nombre-là. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Au moins on s'assure de gagner, que les intérêts baissent et qu'on puisse venir à bout de tout ça. Alors, on retourne du côté de Gueldre pour s'assurer que nos missionnaires puissent terminer leur travail et qu'on ne perde pas trop.
Notre colon arrive à Suriname, voilà, dans 5 jours. Une révolte en Normandie. Allez, notre colonie, voilà, 10 personnes à Suriname pour l'instant. Et on va pouvoir enfin poser nos armées sur le Suriname pour s'assurer qu'on ne perde pas cette province-là. Et puis ça permettra de réparer notre ba nos bateaux de transport aussi. Alors par contre, j'ai eu un petit lag à ce moment-là. Donc il va falloir faire avec pour la fin de cette vidéo. Ça sera arrangé de toute façon dans l'épisode prochain. Donc là, bon, ce sont des lags qui arrivent de temps à autre avec le jeu. Les raisons exactes, je ne sais pas malheureusement. Mais il faut savoir que ça arrive. Alors, par exemple, ça arrive plus souvent quand vous êtes en vitesse 5. Un peu moins quand vous êtes en vitesse 3. C'est pour ça que j'avais baissé de 4 à 3 la vitesse pour m'assurer que tout se passe bien. On retourne au pays, on va regarder un petit peu ce qui se passe en bas. On voit que les Portugais se rapprochent peu à peu de la péninsule du sud de l'Afrique, hein, de l'Afrique du Sud, qui est normalement une colonie des Pays-Bas. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va se laisser un petit peu sur une vue un petit peu d'Europe et d'Afrique. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, hein, à vous inscrire, à souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à faire de même sur Twitter. Donc n'hésitez pas bien sûr. Et puis moi, au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!